Bonjour à tous et bienvenue sur la 13e vidéo de notre aventure au Vietnam. Ça y est, on est dans le bus, on va en direction de Nha Trang, on en a pour 11 heures de bus. Et voilà, c'est notre premier bus couchette du voyage. Donc là, voilà, Marion est juste à côté de moi. On est à l'étage hein, parce qu'en dessous, il y a d'autres petits lits. Donc voilà, bon, c'est notre premier bus couchette, c'est marrant, on est allongé. On a, voilà, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. On est dans le bus et on est parti pour de longues heures de voyage. Donc voilà, comme on vous avait dit dans la vidéo précédente, on va à Nha Trang et ensuite on reprend un autre bus de Nha Trang jusqu'à Da La et on ira s'arrêter, enfin, dernier arrêt à Da La. On va mettre beaucoup de temps à y aller, mais voilà, c'est marrant, on est dans un petit bus couchette, fallait le faire, hein, on est obligé de passer par là. Si on fait un trip en Asie du Sud-Est, il faut que vous voyez ça, c'est obligé. Donc voilà, on va faire notre petit voyage et puis on se retrouve après, à tout à l'heure. Bon, il est 5h du matin, on vient d'arriver à Nha Trang, donc on était parti à 18h, on est arrivé à 5h, le bus a mis 11h. En termes de route, je pense un petit peu moins parce qu'on a fait quelques arrêts, on a fait 2-3 arrêts d'une demi-heure, je pense, sur la route. Bon, le bus couchette, on a réussi à dormir un petit peu, je vous avoue que c'est pas le truc le plus confortable du monde, mais bon, ça va, qu'est-ce que t'en penses toi? J'ai réussi à dormir un peu, mais bon. Fatigué. Voilà. Bon, du coup là il est 5h et on savait pas trop si le bus allait mettre du temps ou pas à venir ici. On savait pas s'il allait faire beaucoup de pauses, on savait pas trop à quelle heure il allait arriver exactement parce qu'il n'y avait pas vraiment d'heure d'arrivée qu'on a réservé. Donc le bus après pour Da La, le premier bus pour Da La, il était à 7h du matin et on s'était dit bon, on prend un peu plus large, on le prend à 7h30. Du coup là il est 5h et faut qu'on attende ici jusqu'à 7h30 pour prendre l'autre bus qui nous amènera jusqu'à Da La. Donc voilà, on a 2h30 d'attente, là on va attendre. Il pleut, comme prévu, il pleut à Nha Trang. Donc voilà, on va attendre. On a prévu quelques petits gâteaux là pour manger, pour déjeuner. Et puis après on se retrouve dans le deuxième bus. À tout à l'heure. Bon, il est 6h15 du matin, on s'est décalé de quelques mètres de là où le bus nous avait déposé et là on est sur la plage, on est sur la côte à Nha Trang et on est en plein lever de soleil. Franchement, je vous avoue que c'est très joli. Donc voilà, il est 6h15 et il y a déjà beaucoup de monde quand même sur la plage et il y a quand même pas mal de monde qui sont venus aussi faire des photos du lever de soleil. Franchement, c'est très joli, hein. C'est très joli. Et voilà quoi, La ville de Nha Trang est en train de se réveiller. Il y a pas mal de gens en train de faire du sport, hein, dès 6h du matin. En tout cas, c'est cool. Bon, c'est un endroit très touristique, hein. C'est la plage, c'est beaucoup d'immeubles, d'hôtels, plein de choses pour les touristes. Mais il faut avouer que c'est quand même joli. Après, je ne sais pas le monde qu'il y a là en journée, mais dès le matin, les gens sont levés déjà, hein, franchement. Bon bah voilà, c'était le petit aperçu de Nha Trang en attendant que notre bus de 7h30 arrive. Donc on va se poser un petit peu là, histoire d'attendre et puis on se retrouve après. À tout à l'heure. Thank you.
ça y est, on est dans le deuxième bus. Il est 7h30, on est reparti pour 3 bonnes heures de trajet. Là, c'est un bus normal, hein. C'est un petit bus, pas de bus couchette. Il est 7h30, on va arriver vers 10h30, 11h, je pense. Donc, on se retrouve à Dala. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après 3h30 de trajet, on est enfin arrivé à Dala. On est arrivé dans les alentours de 11h30. Bah, ça fait 4 heures même en fait de trajet. Ouais, ça ouais. Fait 4... Oh, non, on a mis 4 heures de trajet pour arriver là. Ouais, une heure de plus que prévu. Bon, là, le temps de faire le check-in et tout, il est midi. On est dans notre hôtel. D'ailleurs, il y avait un petit souci de chambre. Ils avaient plus la chambre disponible. Donc du coup, ils nous ont mis une chambre un peu plus grande avec 2 lits doubles. Du coup, on va pas s'en servir, mais bon, voilà, on a 2 lits doubles. Donc voilà, c'est notre hôtel, c'est notre chambre d'hôtel en tout cas. Et bon, franchement, au Vietnam, c'est là où on paye le moins cher le logement depuis le début. On paye 10€ la nuit, hein. Franchement, 10€ la nuit pour l'hôtel qu'on a. Je vais vous montrer quand même la salle de bain. Voilà, c'est souvent comme ça. Il y a le toilette avec la douche qui est juste à côté. Bon, c'est sympa, hein. Franchement, pour 10€ la nuit, on peut pas trop rêver mieux. Donc voilà la chambre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite douche, on va se poser tranquille, on va poser nos affaires, on va se poser tranquille et après on se retrouve pour le repas du midi parce qu'il est midi donc on va aller manger. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on a pris une douche, franchement ça fait du bien, hein, la petite douche après le long trajet, ça fait vraiment du bien. Donc là on s'est posé manger, on est au Loteria. Le Loteria en gros c'est le McDonald's vietnamien. Bon, on fait un fast food là mais franchement on avait hyper faim, on n'a pas mangé depuis hier soir. Donc voilà, je vous montre ce qu'on a pris. C'est à base de frites, d'hamburgers, de nuggets et de Pepsi. Voilà, bon c'est pas typique vietnamien, même si c'est un fast food vietnamien quand même. Mais voilà, on va se régaler, on va bien manger là ce midi. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que cet après-midi on va se reposer un peu parce que je vous avoue que on est fatigué et la nuit a quand même été difficile dans le bus couchette, on a pas énormément dormi. Donc ce qu'on va faire c'est que on mange, ensuite on va rentrer à l'hôtel, on va dormir et ce soir on vous montrera le repas du soir ce soir. Et ce soir aussi il y a un marché de nuit à Dala qui est vraiment très très grand. Donc on vous montrera le marché de nuit ce soir. Donc ce qu'on fait c'est qu'on mange et on se retrouve ce soir. À tout à l'heure. Bienvenue au marché de nuit de Dala. On a fait un petit tour là déjà pour avoir un petit aperçu avant de vous en parler. Et on trouve beaucoup de vêtements déjà. On a vu pas mal de vêtements ici. Mais surtout il y a plein de fruits et légumes un petit peu partout et ça donne trop envie. Il faut savoir qu'à Dala c'est réputé pour la culture des fraises notamment. Et il y a plein de petites dames qui vendent des fraises et elles donnent trop trop envie ces fraises. Franchement je pense qu'on va craquer à un moment donné, on va en acheter. Peut-être pas ce soir, mais on va en acheter des fraises parce qu'elles donnent vraiment trop envie. Autre chose aussi à Dala, c'est qu'on peut voir pas mal de fleurs parce qu'ils font pousser beaucoup de fleurs aussi. Donc on a vu des petits stands où il y avait plein de petites plantes, donc c'est tout mignon. Donc voilà, c'est le marché de nuit. On vous montre tout ça. Il y a pas mal de trucs à manger aussi, des petites brochettes, des petits stands de rue. Voilà, c'est les marchés d'Asie, quoi, comme on a l'habitude de voir. C'est sympa. Chose aussi, vous avez vu qu'on a remis, moi, le pull Marion le Kawaii parce que on est quand même à 1500 mètres d'altitude ici à Dala et il fait un petit peu plus frais. C'est un climat un petit peu plus montagneux, donc il fait un petit peu plus frais. Mais voilà, c'est sympa, ça fait du bien. Pas trop trop touristique là. Je vous montre, hein, c'est plein de petits stands comme ça avec plein de petits fruits et légumes. Apparemment ici,
Adala, c'est vraiment le royaume des légumes. Vraiment, c'est ici qu'ils font énormément pousser de légumes. Donc, je pense qu'on, dans les prochains jours, on ira se balader, on prendra un scooter et on fera le tour, les alentours de Dala pour vous montrer toutes ces cultures et on goûtera les fraises, c'est obligé. Bref, on vous montre tout ça, on vous filme le marché. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Parler du climat de la ville de Dala, il faut savoir donc que c'est un climat montagneux, c'est un climat qui est un petit peu plus doux du reste du Vietnam, qui est très chaud. En été, ça dépasse pas les 25 degrés et en hiver, ça ne descend pas en dessous des 10 degrés. C'est pour ça que c'est vraiment parfait pour la culture des légumes, des fruits, pour faire pousser des fleurs. C'est pour ça que la région de Dala, elle est parfaite pour ça. Et c'est aussi parfait pour quelque chose, c'est pour la culture des artichauts. On a essayé de vous filmer ça avant. Il y a plein d'artichauts dans ce marché et Dala est très connu pour ses artichauts. Ils font les meilleurs artichauts de toute l'Asie et c'est grâce à ce climat justement. Et ils ont une spécialité ici, c'est le thé à l'artichaut. Donc il a énormément de bienfaits pour la santé, ce thé, notamment pour la digestion, pour plein de choses. Et notamment, il faut savoir que ce thé, thank you. Il faut savoir aussi que ce thé ne contient donc pas de caféine et qu'il est agréable à boire avant de se coucher, parce que c'est pas un thé qui va vous exciter. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un thé à l'artichaut et un petit jus de fraise. Bon, ils nous ont mis des glaçons dans le jus de fraise, c'est pas grave. C'était quand même des fraises vraiment cultivées ici qu'ils ont mixées devant nous. Franchement, ça, elles donnent vraiment trop envie, les fraises. Donc voilà, on s'est pris le thé à l'artichaut. On va faire le crash test de Marion évidemment, mais on s'est dit si jamais le thé à l'artichaut il est pas bon, bah Marion aura quand même son jus de fraise et puis je finirai le thé à l'artichaut. Bon, on fait le crash test de Marion sur le thé à l'artichaut. C'est parti. Alors, c'est très chaud. Ça sent bon ou pas? Ouais, ça va. Petite tête de dégoût. Ça va, ça sent l'artichaut. C'est pas bon. Si, c'est bon. Si, ça va, ça va. Je peux goûter? Je vous montre quand même. Ça a une petite couleur bien, bien opaque. Faut aimer l'artichaut. Ça sent l'artichaut beaucoup? Ouais, ça sent l'artichaut. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas mangé d'artichaut, moi. Ah, ça sent l'artichaut, c'est marrant. Ouais, c'est marrant le goût. Bah, c'est vraiment du thé à l'artichaut quoi, pour le coup. Bon, bah on va boire ça. Je suppose que tu vas rester sur le jus de fraise. Ouais, j'aime bien le jus de fraise. Ok, bon. Bon, bah voilà, on continue de se balader. On finit ça. Puis je pense qu'on va aller se poser manger. Je vous avoue qu'on a un petit peu tout déréglé là d'avoir dormi cet après-midi et tout. Donc on va voir où c'est qu'on va se poser manger. On se balade, on vous dit ça après. A tout de suite. A tout de suite. Bon, on s'est posé dans un petit resto où on a mangé du riz frit et des petits légumes verts, parce que c'est vrai que du coup il y a plein de légumes ici à Dala et c'était très bon, hein, franchement. Ouais, très bon. On s'est bien régalé, on a bien mangé. Bon bah voilà, c'était notre première journée à Dala. On avait décidé de vous filmer le voyage, parce que souvent les journées de transport on les filme pas. Et on s'est dit c'est dommage quand même, parce que c'est ça aussi qui fait partie des voyages en Asie. C'est voilà, c'est les trajets de bus, c'est les trajets, les longs trajets comme ça en bus couché. Donc voilà, on avait décidé de vous montrer ça. Voilà, c'est des journées qui sont un peu fatigantes, hein, parce qu'on dort pas beaucoup et voilà, mais bon, c'était à faire, c'était à vous montrer en tout cas. Bon, bah nous on va rentrer au chaud, parce que ouais, il fait un peu frais là quand même, hein, franchement, le soir là. Ah, ça faut que vous voyez aussi, c'est je sais pas si je vous avais déjà filmé des petits plans comme ça. C'est le sport vraiment qu'on a vu où ils ont
Je suis fatigué. C'est le sport qu'on a vu où les Vietnamiens jouaient beaucoup dans la rue. C'est un espèce de petit volant en fait, comme un volant de badminton, mais le bout il est différent et en fait ils se font des passes comme les brésiliennes au foot, vous savez, genre on s'envoie la balle sans qu'elle doit toucher le sol, et bah c'est pareil. Et on a vu ça un peu partout dans les rues, notamment à Hanoï. Et du coup à Hanoï on avait décidé d'acheter un petit, on en a acheté un aussi dans un petit marché, mais ouais. Je pense que c'était pas de bonne qualité, c'était même pas des vraies plumes sur le volant, c'était des trucs en plastique qui s'est déchiré quand on a essayé de jouer, parce que oui, on a essayé de jouer dans notre chambre d'hôtel avec Marion, oui c'est vrai. Bref, voilà, bon, on va rentrer. Il fait un petit peu plus frais qu'ailleurs ici, hein, je vous avoue. Bon bah voilà, on va rentrer au chaud, on vous fait le montage de la vidéo. J'espère que cette journée vous a plu. Si ça vous plaît de voir aussi comme ça quand on fait les journées transport, bah voilà, dites-le nous, parce que on essaye de tout vous montrer et des fois on se dit bon, ça sert à rien qu'on montre ça, et finalement il y a des choses quand même qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez voir quand on voyage. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à Dala. Donc on se dit à demain.